semestre. Oui, il va rien que tu vois pour le coup. Però di solito questi si rimontano. Dietta, sì. Ah, sì. Dietta no. Questo così è il rosso, questo è il colore, si vedrebbe meglio, invece conta tutto. Questo è un parato per... Et en fait, pour lui, c'est presque vraiment dans l'action. C'est l'homme machine. Hein. Moi, c'est. J'ai jamais vu quelqu'un bosser. À partir des années 20, voilà, on commence à utiliser ce médium comme un moyen d'expression. À partir des années 40, là, il va vraiment avoir une explosion. On va avoir des gens comme Picasso qui vont commencer à s'intéresser à ce médium et travailler, mais ils vont travailler chez Valoris, mais ils n'auront pas d'atelier particulier. Là, ça fait une quinzaine d'années où il y a un vrai regain. Beaucoup de jeunes s'intéressent à ce médium et ne font plus que travailler sur ce médium. Et c'est ce que nous allons essayer de montrer à l'Area 42. On va montrer plusieurs phases de la création céramique. We are not linked to a commercial fair like the Salone in Milano of Maison et Objet in Paris. We start more from the storytelling of the designer, so it's quite different. We are more exhibition and we don't start from the commercial part of the design, but more from what the news about in the design world in Belgium and what the other designers international can show here in Brussels. Ben, tu pourrais prêter ta table, tu seras crédité dans le dans la DSP. C'est un petit peu je rêve un peu de tout. Je conseille aussi des boîtes qui vendent des start-up. Je suis vraiment navré parce que ça ne fera que compliquer les échanges. Et au niveau commercial, ça va être un vrai problème, un vrai casse-tête avec les TVA, avec les impôts. Et, oui, c'est compliqué. Et on commence déjà à avoir les problèmes avec les douanes où les transporteurs commencent à se poser des questions par rapport aux législations, aux taxes qui vont sans doute être imposées. Et pour moi, c'est un peu une désillusion parce que je pensais qu'au XXIe siècle, on était encore capable de s'entendre entre Européens et puis on a tous une valeur, on a tous des valeurs communes, on a tous une histoire commune.
Maintenant, c'est vrai que c'est un signe voilà, inquiétant de que l'Europe se démantèle, c'est quand même inquiétant. Maintenant, bon, on est dans cette période juste avant où il n'y a plus de Parlement en Angleterre, on va voir comment tout ça va évoluer. Mais malgré tout, je suis sûr que même si c'est un Brexit dur, les choses vont s'arranger. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une sorte de mur entre l'Angleterre et l'Europe.